dans l'épisode précédent de Mr. Chip. Cet épisode sera le dernier car je n'ai plus vraiment d'idées. Je t'ai appelé aujourd'hui car je suis en colère. Tu étais censé guider les pauvres, mais tu les as abandonnés. Oh grand dieu des pauvres, je suis désolé. Je ne pouvais pas continuer, mon inspiration n'était plus à la hauteur. Je m'en bats les cacahuètes de ton inspiration. Pour te châtier, tu devras leur apprendre comment faire la plus mauvaise des vidéos avant 18h. Si ce n'est pas fait, le monde sera détruit. Mais il est 17h57. Ne me déçois pas, Mr. Chip. Bonjour, aujourd'hui je suis Mr. Chip et je vais t'apprendre comment rater ta vidéo. Et pour ceci j'ai besoin de Marc. Marc, viens ici, ramène ta tronche, j'ai pas le temps là. Si tu pouvais filmer un peu plus haut parce que là je pense que les gens voient que je suis en slip. Tout d'abord, je vais demander à Brandon ce qu'il en pense. Brandon, De quoi ? Rater sa vidéo. Ah, en tant que marchand, vous tenez un discours commercial et avez donc besoin. Oh, les gars, pas de ça sur ma vidéo, hein. Ferme-la. Bon, première étape. Et Marc, tu écoutes ce que je te dis. J'ai pas le temps pour ces conneries. Tout d'abord, l'écriture. Pour rater ta vidéo, n'hésite pas à prendre un concept vu et revu tel que le podcast. A partir de là, tu peux intégrer les mots swag ou YOLO en essayant de faire croire aux autres que tu t'y connais dans ce domaine. N'en fais pas trop non plus, hein. Ou alors, tu peux essayer de plagier soit Cyprien, soit Norman. Si tu as moins de 10 abonnés, n'hésite pas à faire une FAQ expliquant que tu ne plagies pas Cyprien ou Norman puisque tu ne les connais pas. Et voilà, tu es prêt à tourner ta vidéo. Deuxième étape. Si possible, demande à ta mère de te filmer avec un vieil appareil photo ou alors une webcam. La qualité de ta vidéo ne doit pas dépasser 240p, c'est une des règles essentielles pour rater ta vidéo. S'il y a du bruit en arrière-plan pendant que tu tournes, genre des travaux, la télé ou des avions qui s'écrasent dans une tour, eh bien n'hésite pas à continuer le tournage, hein, ça donnera un côté encore plus énervant à ton podcast. Aujourd'hui, quand il y a des geeks qui sont bilingues, Bravo, tu peux maintenant passer au montage. Bien sûr, inutile de dire que le montage se fera sur Windows Movie Maker. Utilise le plus possible des transition dégueulasse, le comic sans MS et surtout une musique répétitive bien plus forte que ta voix pendant toute la durée de la vidéo. A la fin, n'hésite pas à faire un générique défilant sans majuscule avec tes noms à tous les postes. Et voilà, tu es prêt. Non. Et qu'est-ce qui me manque? J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Réfléchis. Bien sûr! La mise en ligne, c'est le moment crucial pour rater ta vidéo. En la mettant en ligne, créez deux énormes annotations sur tout l'écran de la vidéo. Comme ça, ceux qui veulent mettre pause se verront transférer directement sur ta chaîne. Si ta vidéo n'a pas trop de vues, n'hésite pas à la partager sur ProRemus le 15-18 ou encore toutes les pages Facebook de tes amis ou des grands podcasteurs en tout proclamant le futur du web français. Et là, ce sera l'échec assuré!